Bien, on est prêt pour ce match, on s'est bien préparé pendant une semaine, donc on sent prêt. Bon, la plupart, ça va faire 3-4 ans qu'on est ensemble. Donc ouais, on se voit tous les jours, donc ouais, c'est comme une famille en fait. Thomas, oui, il a sa place ici avec nous dans le bus. D'ailleurs, on peut penser qu'il est avec nous de là-haut, qu'il nous accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la finale, parce que c'était un rêve pour Thomas aussi d'y participer. On a vraiment... Des bons gamins, je dirais presque des bons hommes, avec une très bonne mentalité, donc il y a une très bonne entente et ça facilite aussi les résultats qu'on a actuellement. Bah ouais, ça y est, on y est. Ça fait bizarre. On a l'habitude de jouer sur des petits terrains et là c'est impressionnant. Ça fait plaisir de voir un stade comme ça et de jouer aussi, ça va être super bien quoi. Bah on sait que le stade il sera pas plein mais il y aura nos parents, il y aura nos familles, il y aura des supporters tourangeaux et troyens. C'est quelque chose d'excitant. Ah oui là je commence à réaliser là, c'est le tout début. On commence à fouler la pelouse et tout ça, on commence à voir les tribunes, le stade gigantesque et ouais c'est impressionnant, c'est clair. On sera concentré demain et on sera dans notre match. Ils ont envie de, je dirais, d'écrire et de finir cette belle histoire. Parce que c'est un parcours qui a commencé maintenant en peu plus de 3 mois. Et puis donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de finir le mieux possible. Pas de numéro, juste l'entraînement. Non, si. C'est marqué à quelle heure qu'on marque le premier but? Théoriquement, à 18h59. On marque le premier but, ouais. Et ça s'arrête là. Ouais, ici. Oh putain. C'est dans la tête, à vous de vous mettre dans les meilleures conditions par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il faut aller gagner le match. Il faut ramener la coupe. Il n'y a que ça qui compte. Arrache-toi ! Elle est bonne ! Et jouez, on passe vite ! Réagis ! Voilà ! Ouais ! Pousse ! La pression, qu'est-ce qu'elle fait la pression ? Elle te fait déjouer ! Vous n'arrivez pas à vous transmettre sur le match ! On l'a dit depuis le jeudi matin, tout ce qu'on fait, c'est un rapport au match ! Et là, on fait l'inverse de ce qu'on a dit ! Le point faible, il n'y en a pas. Le point faible, ça serait peut-être de pas être concentré, de ne pas être présent mentalement par rapport à l'événement. Mais ça, ils vont l'être parce que je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais je sais qu'à leur hache, ils seront présents. Demain, c'est le jour J, c'est le match. Donc là, on sort. Faut sortir tranquille, sans prise de tête. Faut à présent se mettre dans notre bulle et préparer notre match tranquillement, bien se reposer. Là, on va se projeter le plus, c'est ce soir, quand on sera dans notre lit, je pense. Avant de dormir, je pense que ça va cogiter un peu dans l'été. Quand t'as moi, là, 300, parce que ça, j'ai tous au premier étage. Trouver un relais à l'intérieur pour aller vite vers l'avant. Avoir des soutiens, faut presser ensemble. Gagner le match. C'est quoi, c'est le jeu de 3, c'est ça? Ouais, ça, c'est le jeu de 3, et après, ça, c'est nous ce qu'on doit faire. Si vous êtes tous capables de répondre immédiatement aux problèmes posés par l'adversaire, c'est gagné, c'est sûr. Voilà. Vous voyez pas de charcuterie, les gars. Pas trop gras, faut, trop sucré. Faut manger des légumes, là. Un peu tout Nutella. Tout ce qui est crudité, tout ça, on peut prendre. Mais par exemple, là, la charcuterie, faut éviter. C'est interdit. Ah, parce que c'est trop gras. Et après, faut pas qu'on soit trop lourd pour demain, quoi. Ah, prendre la force, quand on prend des forces, on prend des forces.
pour faire des tacs comme un golo. Non, marquette, domino, minette, domino, mino. J'ai rencontré toilette, domino. Mario, 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 Mario. C'est vraiment du confort pour ce soir. Qu'il y a une petite pression quand même. C'est normal qu'il y ait un peu de pression, mais il faut que ce soit un stress positif, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros enjeu, mais il ne faut pas être dépassé par l'enjeu. Bien dormi, bien reposé. Il faut. Les gars, vous cramez les ordres. Là, maintenant, ce matin, on va bien déjeuner pour prendre des forces pour cet après-midi. Ils sont soumis de toute façon à un programme hebdomadaire qui est largement plus lourd qu'un salarié d'entreprise, hein, puisque ils ont leur programme scolaire, hein, qui fait environ une trentaine d'heures par semaine. Ils ont 5 à 6 séances d'entraînement, ils ont les matchs, ils ont les déplacements lointains. Donc effectivement, il faut une grosse persévérance et une grosse qualité mentale pour y arriver. La Gambardella, c'est une compétition humaine et on vit des moments forts, on a vécu des moments forts jusqu'à présent. Ma gueule t'a flopé, la squale est à Florent. Je remonte la pente et tente pas de m'arrêter. Ton temps est compté, moi je compte compter du papier. Puis faut te pas trahir, moi et toi c'est fini. Sinon je te fais, tu racontes mes méfaits. Chacun je suis méfiant et je fais pas. Un petit peu de verdure, ça fait du bien là. Sortir de l'hôtel, des chambres, de la télé, ils sont tout le temps sur leur téléphone, du coup ça les change aussi. Ok. Ah, ça joue bien, ça, et puis ça a l'air de s'amuser un peu. Midi 45, salle des réunions, ouais. Et 13h15, on va manger. Ça marche, super. Merci pour l'info, Edzo. Contre deux, raison de but, donc dans les équilibres, ceux qui sont concernés par la création de l'équilibre, on est concentré sur ça. Salut Anthony, c'est pour te dire que je te souhaite bonne chance à toi et toute ton équipe. Allez les Tourangeaux, on est avec vous. On n'était pas au courant, mais ça fait plaisir. Avoir des messages de notre famille, ça donne du courage. Donc là, à partir de maintenant, on repart à notre objectif. Et c'est le dernier objectif, dernière marche. C'est pour ça que je dis qu'à partir d'aujourd'hui, on écrit une autre histoire. La première histoire, on l'a écrite, on est rentré dedans. Maintenant, il y a quelque chose d'autre à écrire, c'est aller chercher ça. D'accord ? Donc on souffre ensemble pour gagner ensemble. Et une fois qu'on a gagné ensemble, eh bien, il y aura le plaisir. Le plaisir d'avoir partagé tout ça ensemble, avec nos familles, avec nos proches. Le plaisir, il peut venir qu'après avoir gagné. D'accord ? Parce qu'on écrit notre page aujourd'hui. Notre histoire, elle commence aujourd'hui. Et puis le dernier mot important, c'est celui-là. On le dit tous assez. Il est là avec nous. On le sait, on le ressent. D'accord ? Donc à nous de faire en sorte qu'on lui rende le meilleur hommage possible. C'est notre seul moyen de lui rendre hommage, c'est celui-là. D'accord ? Donc nous aujourd'hui, vous aujourd'hui, allez tout faire pour ne pas avoir de regrets. Et pour accomplir notre mission, votre mission, sa mission. Son rêve, notre rêve. Bon match.
prépare dès maintenant mentalement. Ça va ? Oui, ça va. Cette donnée va être très importante dans le match. D'accord ? Allez, bonne préparation. Allez, 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 allez. Comme d'hab. Alors tous ensemble. Allez les gars, allez. Allez les gars. C'est encore plus fort que derrière. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Allez les gars, on va chercher. Allez les gars. Allez, sans mou, hein. Montre le chemin. Allez, capitaine. De silence en hommage à sa mémoire. Ça dans les 10 derniers mètres que pas peut faire dans le jeu. Alors les gars, il faut choisir. Vous débrouillez, vous choisissez l'option 1, l'option 2. Moi j'ai choisi l'option 2. Nous on a choisi l'option 2. Parce qu'on sait pas si on va y revenir ici. On a plus le temps de pas y revenir que d'y revenir. On lève la tête hein. C'est pas fini, reste 48 minutes, 50 minutes. Bien sûr. Beaucoup même. C'est une belle aventure, vous avez fait. Ouais, c'est une belle aventure, mais bon, on aurait préféré gagner la finale. C'est des émotions, mais bon, on aurait préféré avoir la coupe. Ça restera malgré tout un bon moment, de vrais bons souvenirs. Une vraie aventure humaine avec le staff, avec les joueurs et les supporters qui nous accompagnent aujourd'hui. Forcément, on est tous déçus, mais surtout, on est fiers de notre parcours. On est fiers surtout d'arriver au Stade de France. Parce que voilà, c'était un honneur de jouer sur ce stade. Surtout, on sait que les conséquences, qu'on a perdu notre pote Thomas, il aimerait bien être avec nous. Et voilà, aujourd'hui on perd, mais c'est une grosse fierté d'avoir été présent ici. Du coup, on est tous contents quand même.